Voilà, on est avec notre ami Julien, Guillaume. Je suppose que tu as une bonne raison de ne pas être là, mais j'ai vraiment du boulot pour toi pendant les vacances, parce qu'il faut vraiment qu'on avance, quoi. Donc on est sur le « Je n'ai que vous deux pour jouer ce titre-là, je sais que les autres élèves ne sauront pas le jouer ». Donc, il faut vraiment que tu regardes ce truc-là. C'est Arnaud, c'est oh là là là, c'est magnifique. On va travailler sur la version studio. J'ai retiré 20% et on donnera un petit mot d'explication après. Hein. Ouais. On est parti. On va le tenter à 100%. Moi, j'avoue, c'est pas propre pour l'instant. Je pense que si toi non plus, c'est pas encore propre à 100%. Voilà. C'est rapide. Voilà. Bon, c'est la difficulté du titre. Hein. Ouais. C'est la rapidité, évidemment. Hein. Ça joue vite. Hein. Donc, le truc, c'est de bien avoir les deux croches. Le truc qui est un peu bizarre, c'est que le thème tourne en fa dièse et que la guitare, en réalité, elle joue à un moment donné en do dièse, tu vois. Mais en réalité, ça s'explique par le fait que la basse, elle est plutôt sur une cadence de type 1-5. Et donc ça, pour la guitare, ça permet à un moment donné de jouer en do dièse mineur. Et en fait, ce qu'il va chercher, c'est la neuvième dièse. Et il joue sur la dernière triade. Donc c'est-à-dire, si je joue en do dièse mineur, j'ai ça. Si je joue sur la dernière triade, je peux faire un petit barré. Et la neuvième dièse, elle est... Les contretemps.
Et après, il joue des doubles croches sur une octave de fa dièse. Et après, quand il passe en ré, j'ai pas bien compris, mais pour l'instant, on va se contenter. Ça pour l'instant, voilà. Donc après la structure, j'ai pas encore le temps de la faire.